bienvenue dans un nouveau vlog. Donc aujourd'hui, on est vendredi. Là, j'ai fait ma liste de courses en fait. J'ai prévu les menus de la semaine, donc je peux vous dire comment je me débrouille. J'étais en train de déjeuner dans mon lit. Donc j'ai fait en fait. Mais moi, j'écris sur des enveloppes, je suis comme ça. Donc j'ai prévu mon. Aïe! J'ai prévu mes menus de la semaine. Et après, en fait. Moi, je m'organise comme ça pour faire mes courses. Je note en fait toutes les recettes que je vais faire cette semaine. Et après, en fait, je note tous les ingrédients que j'ai besoin dedans et j'achète que ça. C'est-à-dire que j'essaye en ce moment de faire des. Aïe. Oh, j'ai mal. De faire des économies sur les courses parce que mine de rien, c'est un budget les courses. Hein. Et donc, du coup, j'essaye de voir comment je peux réduire au max mon budget course. Donc, j'ai prévu de faire une quiche poivron chorizo, du riz tomate saucisse, du sauté de poulet à la provençale, une tarte poire au lardon, poulet pommes de terre miel soja, gratin de macaroni bœuf et courge, gratin de pâte thon tomate, danette, enfin ça c'est moi qui vais les faire, danette vanille, danette chocolat, gâteau au chocolat, roulé au Nutella, crumble poire chocolat, un gâteau à la coco pour le petit déj baguette viennoise, pain au lait et pain de mie. Donc voilà, ça c'est les recettes que j'ai besoin. Et après, j'ai besoin d'ingrédients pour ça, mais c'est que des matières premières. C'est pas voilà de ce que j'ai là. J'ai pas de truc tout préfet, genre je sais pas moi, mais non, je peux pas vous dire. J'ai pas de truc tout préfet, genre du style un paquet de gâteaux par exemple. Ça, j'en ai pas. Mais je vais sûrement en acheter un pour JD parce qu'il a envie de s'essabler au citron. Bref. Et j'ai besoin, en plus de ce que j'ai besoin comme ingrédient, j'ai besoin de liquide vaisselle, du poivre, que je n'ai plus, un pack de lait pour Thiago, des croquettes pour mon chat et du papier cuisson. Voilà, c'est tout ce que j'ai besoin en plus. Donc voilà. Ah oui, je vous ai pas dit le programme, mais là, tout à l'heure, j'ai un rendez-vous en fait encore à Pôle emploi. Je fais que ça d'aller chez Pôle emploi, c'est un truc de ouf. Donc j'ai un rendez-vous à 13h30 avec Pôle emploi. En fait, c'est parce que je suis sur un truc qui s'appelle Active Projet. Et ils nous aident pendant 2 mois, pour toutes les semaines, on a un rendez-vous et ils nous aident à trouver un projet, en fait, un projet professionnel. Donc voilà, et donc après ça, et j'ai rendez-vous avec une cliente juste après. Donc voilà, je sais pas si je vais avoir le temps d'aller faire les courses ou pas. Mais on croise les doigts, sinon j'irai demain après-midi parce que demain matin j'ai aussi un rendez-vous. Vive ma vie de maman débordée. Bon, les filles, je vous reprends au même endroit parce que j'ai eu une idée qui m'a illuminé la tête. La fille raconte sa life encore. En fait, je me suis dit que j'allais aller me connecter sur mon drive de mon Leclerc. Et que j'allais faire remplir mon panier en fait comme si je faisais un drive avec tous les articles que j'ai l'habitude d'acheter. Donc je fais attention selon au prix, au kilo, etc. Je vois lequel est le moins cher et après je note en fait sur ma feuille par exemple je mets MR pour marque repère parce que c'est le moins cher ou je mets le nom de la marque si la marque est moins chère que le marque repère parce que ça faut faire très attention. Du coup j'ai noté chaque prix de chaque truc et comme ça je sais que j'en ai exactement pour 88,03 €. Mais moi j'utilise le scan achat quand j'y vais. Donc des fois il y a des trucs c'est moins cher, j'ai des réductions avec le scan achat. Mais j'en ai pour 88,03 €. Donc vous verrez dans le retour de course si j'en ai vraiment eu pour 88,03 €. Dans tous les cas, moi quand je vais faire mes courses, ça c'est un petit conseil perso. Quand je vais faire les courses, je retire 100 € en liquide. Et j'emmène pas ma carte bancaire. Je retire 100 € en liquide et je me dis. Mon budget c'est 100 €, j'ai pas le droit de le dépasser. Et de toute façon, comme j'ai que 100 €, de toute façon, je peux pas dépasser, sinon je peux pas payer. Comme ça c'est là que ce qu'on fait aussi des économies, c'est on évite d'acheter n'importe quoi. Donc du coup, ouais, 88,03 € de course en tout, sachant que dedans j'ai de la lessive, que j'ai du lait pour mon fils, que j'ai des croquettes pour mon chat, et que j'ai des conneries genre du papier cuisson, du poivre et tout, enfin, des trucs que ça. Que j'ai plus en fait à la maison mais que je vais pas racheter demain quoi. Donc voilà, donc affaire à suivre et je vous dirai après les courses, bah vous aurez vu le retour de course depuis longtemps. Hein. Mais je vous dirai combien j'ai payé ou je vous l'afficherai en bas là par là.
Je vous l'afficherai le prix que j'ai payé. Voilà, c'était la petite astuce du jour. Bon, maintenant, il est déjà midi 10. J'ai pas mangé, mais je vais pas manger parce que j'ai déjeuné tard. Je vais aller prendre ma douche parce que là, je vais être en retard à mon rendez-vous à Pôle emploi. J'ai rendez-vous à 13h30, donc là, faut vraiment que je me speed. Mais au moins, la liste de courses est faite. Je sais pour combien j'en ai et je suis contente. Je suis contente, ça c'est fait. Et en plus, le fait que tout soit noté et tout, je suis pas une heure dans le magasin à me dire. Alors ça, c'est tel prix, machin. Est-ce que celui-là, il est à tel prix et tout? Là, tout est noté. Je suis tranquille. Donc voilà. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo sur le. Là, je vous ai expliqué un peu, mais sur une vidéo du comment que je m'organise pour faire mes courses. Dites-moi si ça vous intéresse. Et si ça vous intéresse, ça me fera vraiment plaisir de vous faire une vidéo sur ça. Enfin, genre sur le budget, comment je m'organise, etc. Comment je fais pour ne pas dépasser, etc. Voilà. Bon allez, à tout à l'heure parce que là, alors les filles, je vous reprends maintenant. Il est 18h30. Je viens de rentrer donc j'ai pas eu le temps d'aller faire les courses. Voilà. On va faire un gâteau. Enfin, JD, il a commencé un gâteau. Il vient juste de partir au boulot. Du coup, je vais aller le terminer. Voilà. Il y a le nain qui est là-bas. Qu'est-ce que tu fais? Viens voir maman. Viens! Qu'est-ce que tu fais? Ça, c'est un cadre. C'est la photo. Tu vois? Photo de bébé? Ouais, c'est une photo de bébé. Tu dis bonjour aux filles. Regardez-le, il a fait du gâteau avec son papa là. Il est encore malade, hein, Tiag. Moi, je commence à être malade, mais je pense que vous entendez à ma voix. Je commence à être un peu malade. T'étais là? Du Nutella, oui, bah oui, t'as fait un gâteau. Parce qu'on n'avait pas de chocolat, j'ai dit, il a pris du Nutella. Donc, c'est dans le four, ça y est. Hein, loulou? Donc demain, j'espère que j'aurai le temps, mes courses, parce que là, il nous reste un peu des œufs, des lardons. Bah, on a encore de quoi tenir, hein, mais des pâtes, des paupiettes et tout. Il nous reste des trucs dans le congélateur. On a encore de quoi tenir, mais il nous manque pas mal de trucs, genre des matières premières. Genre du beurre, du sucre, de la farine et tout ça. Donc voilà. Bon allez, je vous reprends tout à l'heure à la sortie du gâteau ou à la dégustation du gâteau. Bon, on est à table avec le nain. C'est bon bébé? On regarde un petit dessin animé. Oh ma choupipette. Tu souffles, c'est chaud. Hein? Ah c'est chaud. On a fait une petite soupe, carottes, navets, pommes de terre, haricots verts, avec des petits allumettes de jambon. Enfin de bacon. Mais papa. Ouais, c'est des enfants. On regarde Ballerina. T'aimes bien? T'as du chocolat partout parce que t'as fait le gâteau avec maman. Mange une soupe. C'est bon? C'est bon soupe? C'est bon la soupe? Ah, on ne dîne plus, on soupe. Non. Allez, bon appétit! Ah, mon amour, Kitty est trop beau. Salut à tous et bienvenue dans un nouveau vlog. Donc aujourd'hui on est samedi, il est 11h05. En fait, je suis malade. Le truc que j'ai, c'est que je suis malade, j'ai un mal de tête mais qui passe pas, j'ai pris un ibuprofène et ça passe pas. Je suis prise de la gorge là. Je suis pas bien du tout. Donc du coup, je vais faire un peu de ménage et tout, un peu de rangement, mais ça va, il n'y a pas grand-chose à faire. Je vais passer juste un coup d'aspi, un coup de serpe et puis ranger deux, trois trucs qui traînent par terre. Je vais aller me doucher, peut-être que après la douche, ça ira mieux, mais là, je suis pas très bien, mais ça se voit, je suis toute blanche. Donc voilà, et puis bah là, on est samedi matin aujourd'hui, donc le samedi matin, j'ai un rituel, c'est que j'appelle Laure, enfin avec Laure, on s'appelle ou on se parle. Et donc du coup, souvent, ça nous prend du temps. Donc voilà, sinon rien de prévu aujourd'hui, JD est au travail, il finit à 15h. Thiago chez la nounou, comme tous les samedis. Voilà, et puis sinon aujourd'hui, rien de particulier, JD travaille ce soir, donc nous, les week-ends. Avec JD qui travaille, c'est compliqué, mais bon.
Peut-être demain on va bouger, je sais pas, on verra de mon état parce que là je suis pas bien du tout, j'ai froid en plus. Enfin bref, donc je vous reprends tout à l'heure. Bon les filles, je vous reprends maintenant, en fait il est méga tard, il est genre 19h. Thiago dort parce que Thiago, il est... Enfin JD en fait, moi j'ai dormi toute la journée parce que je suis pas bien. Je sais même pas, je pense que je vais faire le live ce soir parce que du coup maintenant j'ai toujours mal à la tête et tout, mais j'ai plus envie de dormir parce que je dors depuis, depuis la nuit d'avant en fait. Je me suis réveillée un peu pour boire, pour prendre un médicament et tout, mais là sinon je me suis endormie vers, je sais pas, 14h et j'ai envie de me réveiller à 19h. Donc Thiago dort. JD est parti toute la journée avec Thiago. Mais du coup il reprenait le boulot à 18h, donc à mon avis il a dû rentrer vers 17h30, je les ai pas entendus en fait. Et Thiago il a dû être couché à 17h30 parce que là il dort. Donc voilà, je vais aller le réveiller. Y a des bruits bizarres là-dedans. Je vais aller le réveiller et puis je vais aller lui faire à manger. Moi j'ai pas faim, je suis pas très bien. Donc voilà, je vais lui faire une petite soupe. Voilà. Je suis à l'ouest les gars, j'ai chaud en plus. C'est la folie. Bon allez, je pense pas que je vais vous reprendre en fait, je suis désolée, hein, mais je suis malade, le vlog il va être pourri, mais je suis malade donc comme tout le monde, bah, quand je suis malade j'ai besoin de dormir, voilà. Bon, je vais aller réveiller mon fils, si je vous reprends pas d'ici là, je vous dis à demain. J'espère que ça ira mieux, parce que sinon le vlog semaine ça va être compliqué. Bisous! Si mal au cœur de le réveiller. Comme vous avez pu voir, Thiago il dort à point fermé, il dort même pas, il ronfle, ça me fait mal au cœur de le réveiller, petit bonhomme. Du coup j'ai juste allumé la lumière du couloir, j'ai ouvert sa porte. J'espère qu'il va se réveiller tranquillou parce que le truc c'est que si je le réveille, il va être méchant. Il va être méchant. Il va être de mauvaise humeur comme quand on se fait réveiller par quelqu'un d'ailleurs, donc bon. Et le facteur est passé. Et du coup, JD il a ouvert mon colis. J'ai reçu ma Beautiful Box, donc faut que je vous fasse un unboxing. Je vais regarder vite fait ce qu'il y a dedans, mais à mon avis, enfin, déjà j'aime pas la couleur de la boîte, parce que voilà, c'est bien ce qui me semblait. J'allais dire parce que je pense que c'est des produits rouges et moi j'aime pas du tout le rouge, donc ouais, il n'y a que ça. Oula, oula, je vois un truc là. L'élixir filtre d'amour. De l'huile de massage aux extraits d'orchidée noire. Une huile de massage. Je vais faire un massage à mon chéri. J'ai quoi? J'ai un machin comme ça. Mais de toute façon, je vais vous faire l'unboxing directement. Un crayon rouge. Et à mon avis, vous aurez vu l'unboxing avant la vidéo. Un rouge à lèvres. Je suis pas du tout rouge du tout. Je vais peut-être aller me maquiller, au moins ça changera ma tête de déterré, non? Un vernis rouge, comme dirait Thiago, de la peinture rouge. Et un bracelet. Mais je vais vous faire l'unboxing complet, comme ça vous allez pouvoir voir. Donc, ouais. Ouais. Oh. Bon, allez, faut que j'aille réveiller mon loulou, là, parce que ça va pas être possible. Caboulé. Bon, les filles, je me suis maquillée avec ma Beautiful Box là. Alors, j'ai mis le rouge là, ça fait un peu. C'est comme si j'allais faire le trottoir. J'ai mis le gris. J'arrive pas à l'étaler, ça, vous savez, c'est les trucs. Les fards crème là, du coup. Vous voyez le derrière des vidéos. Du coup, c'est très moche. J'ai fait par contre mes ongles. Thiago, il m'a dit, c'est rigolo la peinture.
Voilà, j'ai mis le crayon et tout. Donc maintenant, je vais tourner la vidéo vite fait, bien fait. Et j'ai mis le bracelet qui est sympa. Donc voilà, je vais tourner la vidéo. Et Thiago regarde un dessin animé pendant ce temps-là. Voilà. Salut à tous. Il est 11h30. Je suis prête. Il y a papa JD qui est là. Il y a bébé Thiago qui est là, mais lui qui est pas prêt. Il va aller au bain. Je vais aller chez Intermarché faire de l'essence. Voilà, et parce que demain matin, je travaille, demain après-midi, on est loin de chez nous. Enfin, JD, demain matin, vient à mon boulot. Et après, on va se promener. Donc voilà, vous entendez la télé. Tu refais des bulles avec ton nez, toi. Donc voilà, je vais vite fait mettre de l'essence. Et après, programme de la journée, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Tu m'emmènes où, mon chéri? Faire du vélo? T'en penses? Thiago, tu vas aller faire du vélo, de la trottinette, viens voir maman. Viens chaton, voir maman. Viens. Tu te caches. Tu veux faire du vélo ou pas? Après manger. Après manger, après donc manger, on va aller faire du vélo, aller se promener, mais après suspension. Après manger, après la sieste. Non, pas de sieste, sinon on va faire le bazar ce soir. Et demain matin, on se lève tôt, on décolle de bonne heure. Donc, voilà, bon, je vous reprends tout à l'heure. On est à table? Tu manges quoi? Non, on mange des paupiettes avec des pommes de terre. Donc toi, t'as pas de sauce, parce que maman, elle a fait une sauce à la moutarde. C'est bon? Petite paupiette à la vapeur. Voilà. Avec des pommes de terre et une sauce à la moutarde. C'est bon, papa? Délicieux. Bon appétit. C'est quoi? Qu'est-ce que tu manges? Tu manges quoi, ma choupette? Ma bébé. Hein? Maman, c'est une bébé. Qu'est-ce qu'il dit? Maman, c'est de la lumière. Ah oui, c'est le flash. Ah, ça flash. Petit clown. C'est glace? C'est une glace? T'es trop chou. C'est bon? Est-ce que c'est délicieux? Délicieux. Ah, c'est délicieux? Non, c'est succulent. C'est excellent. C'est délicieux. Délicieux. Un régal. Un régal. Avec ton petit nez qui coule, là, tu es malade, hein. Tu sais. C'est bon la surprise? Il n'y en a plus? Il n'y en a plus? Si, il y en a encore. Regarde, je vois là. Je vois? Ah oui, je vois. Et pour moi, ce sera ça. C'est bon, surprise? Ma petit chat. Et papa aussi, il a piqué une surprise. Avec ma poubelle, c'est cadeau. Ma poubelle à descendre. La serpillière, l'aspirateur, tout ça, c'est cadeau. En admiration devant son père. Thiago, on va où après? Ma vélo. Ah, on va aller faire du vélo? Où ça? On fait du vélo où? Petit chou. On va par là? Avec ton trou à ton jogging là. On est tous en mode jogging. Jogging basket. Hein chouchou? Mon bébé bêtise, ça.
C'est fini le vélo? Après, 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 mon papa, papa, on peut pas tout faire. Après. Regarde la belle nature comme c'est joli. C'est beau, hein? Hein? On enlève quoi? Papa, maman. Un câlin à ma mère. Oh là là, c'est ma mère. Oh, tu vas voir si je t'attrape moi. Oh là 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 là, vite, 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 vite. Oh là 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 là, tu t'attrapes. Oh là là, je vais t'attraper. Oh là 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 là, tu t'attrapes, tu t'attrapes, tu t'attrapes. Attention. Oh ma choupette dame. Vite, on attrape papa. On attrape papa. On attrape papa. Vite, 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 vite. Oh là là. Un câlin, mon père. Mon père. Mon père. Mon père. Mon petite choupette. Oh mon âme. On va voir la grue? D'accord. Je suis pas sûre qu'en pleine campagne on trouve la grue, mais pourquoi pas. On va voir les trains? Allez, peut-être. En fait, on est le long de la ligne de chemin de fer. Hein, chouchou? Regardez-moi ça si c'est pas trop chou, ça. Un père et un fils qui se papotent. C'est trop chou. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois, chérie? Qu'est-ce que t'as vu? Hein? C'est un train? Subjugué. Hein. La ville est grand, le train. Il est long, hein? Tic. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, tu tousses. Ah, les mamans, là. Si vous savez pas, au lieu d'acheter des écharpes, ça, c'est trop bien, parce que ça prend bien le coup et tout. Et devant aussi, et après on peut le remonter un peu sur les oreilles. Voilà, nous on fait ça des fois. Hop, on remonte un peu comme ça, et au moins il n'y a pas d'air qui passe derrière. C'est bien chaud et c'est doublé polaire, hein mon chat. Il est parti le train. T'es déçu? Tu es déçu ma petite crotte? On y va où? Il suit le train en fait au loin là-bas. Petit chat, avec son trou à son jogging. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Regardez comme c'est beau. Bon, il y a un sac plastique accroché à l'arbre. Et c'est beau. Avec la petite rivière là. C'est trop joli. On va pas dans l'eau, hein. C'est trop fort pour aller dans l'eau. Redescends lui son body. Allez, allez. Allez, vas-y, descends.
Monsieur Bêtise, on saute dans les flaques et qu'est-ce qui se passe? T'as mal où? T'as mal où? Non, t'as froid où? Ils sont mouillés tes pieds? Non, on retourne pas. On retourne pas, hein? Mais je sais que tu veux faire la balançoire. Maintenant, on vient du coup de rentrer. On a passé un bon week-end. Vous entendez le dessin animé. Thiago n'a toujours pas fait de sieste. Il est crevé. Il est quelque chose comme 17h30. Donc JD, là, il va partir au travail incessamment sous peu puisqu'il commence à 18h. Donc voilà, moi je vais vous quitter ici. Je vais vous monter le vlog et je vais essayer de vous le poster, sachant que j'ai commencé déjà... à en monter une partie, donc au moins mon fils il m'a collé des gommettes sur mon meuble, j'en peux plus de lui. Donc au moins comme ça vous aurez le vlog ce soir, voilà. Je vous souhaite un bon lundi et je vous dis à demain dans un nouveau vlog. Bisous.